J'ai ramené ma voiture pour prendre les trois bouts de bois qu'il y a derrière. Et là, c'est l'attraction du siècle. Waouh! Oh, c'est une 207! Génial! Alors, Lobo est fan de tuning. Ah, j'en ai toujours voulu une! C'est une voiture collection, ça, maintenant. Ah, c'est une belle bagnole! Non, vous n'êtes pas obligé de me refaire la peinture! C'est sûr, vous allez faire une dinguerie dans pas longtemps. Non, mais le Olympe! Le braque! Le bec! C'est pas possible, hein! Arrêtez! C'est un nouveau type de voiture, on essaye de faire pousser des algues dessus. Non, mais non! Elle est déjà assez défoncée comme ça, arrêtez! Max! Bon. Hop. Non, 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 mais on va pas faire des courses, là! Arrêtez! Parez-vous! Laissez-moi faire de la place! Non! Olympe, sois pas con! Olympe, sors de là! C'est pas une attraction, c'est une voiture. Olympe! Sors, descends. Descends de là. Non mais Balou aussi là, Balou. Eh, hey, on n'est pas à Disneyland là, barrez-vous. Non, 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 c'est pas le Meunier Express. Allez, cassez-vous. Allez. Mami, non. Ma Otis, non. Lucky, non. Mais barrez-vous, ils sont en train de défoncer ma bagnole. Non. Non, Lobo, sort de là. Hey, comment on démarre ça, les gars? Lobo. Oh, mais Lobo, barrez-vous de là. Allez, cassez-vous. Pourquoi j'ai fait ça? Lobo, déjà qu'il n'était pas propre, mais alors là... Allez, 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 ça dégage. Ils ont tout défoncé. Balou, sortez de là. Mais non, mais non, mais non, mais on rentre pas 50 Mais pourquoi c'est les... pourquoi je fais des conneries pareilles? Non, mais c'était pour mettre des bouts de bois dedans. Venez là, arrêtez, sortez. Lucky, allez, sois gentil. Ma Otis, Otis, sors de là. Niolo, sors de là. Le braque là. Olympe, sors de là. Mais Lobo, lui, il est déjà couché, il dort dedans, lui. Lobo, tu... Non, mais Lobo, vraiment, hein. Lobo. Allez, Otis, Olympe, sortez, sortez, dépêchez. Non, non, déjà, ça, on le remet. Lobo, mais... Lobo, sors de là, par pitié. Sortez-vous. Sors-toi. Mani. Allez, 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 allez. Allez, hop, 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 on ferme vite, là. Non, on ferme le coffre, terminé. Balou. Balou, non, non. Allez, descendez. Lobo. Lobo, par pitié. Lobo. Oh, le husky, quoi. Lobo, s'il te plaît. Non, mais on va pas en compétition de canicross, là. Je suis obligé d'aller chercher une laisse. J'y crois pas. Lobo, t'es chiant. Là, j'allais chercher une laisse. Lobo, il croit qu'on part en vacances. Garde-le. Bon, on démarre, là. On y va, parce que y en a marre. Ça fait 3 heures que j'attends. On va être en retard, hein. Lobo, tu vas pas descendre, là. Lobo, arrête. Allez, viens. Allez, hop. On sort de là. Vous poussez. Hop là. Voilà. Ah, oh, c'est pas possible, hein. Sérieusement. Bon, donc je saurai pour la prochaine fois qu'il faut que je fasse les choses après. Vous êtes intenable. Voilà, petite Tina. Gaga. Oh là là, qu'est-ce qu'on est timide. Attends, je vais te mettre une aussi timide que toi avec toi. C'est la petite Belle. Ah bah on a essayé de sortir son panier pour faire une petite terrasse. On sait qu'avec Belle, ça va bien se passer. Bah oui, regarde. Ça va jouer beaucoup, ça. Allez, je fais un... Oh, Pitou. Pitou, tu veux venir, Pitou? Voilà, mon Pitou. On fait un club des timides, un club des gentils. Tina. Oh, coucou. Pitou est très amoureux de toi, je crois. Hein? Bah oui, Pitou, elle est aussi timide que toi. Bah, résultat, lui, il est plus timide, là, ça y est. Hein? Bon, ça commence à jouer. C'est bien. Voilà. Pitou, vous êtes bien vaillant, hein. Ouh là là! Au combat, vous devez être... Au secours! Ça m'a regardé! Oh là! Oh, oh, oh le proche chevalier! Ah! Elle m'a regardé encore! Bon, résultat, est-ce qu'on gâche la fête? En mettant un golden là-dedans. Regarde, attends que ça, elle. Jazz! Allez, c'est qui la nouvelle? Assieds-toi sur mes pieds, t'as raison. Faut apprendre à se débrouiller toute seule. Elle va pas te tuer. Bon, un de vous, mais vous êtes des brutes. Mais ceci dit, elle a l'air de vouloir vous rencontrer. Un seul. Michel Thor. Bah voilà, on sait bien se débrouiller. Thor, c'est pas la meilleure façon de se présenter. Hein? Bon, ça va, on est à l'aise, tout va bien. Oh, elle aime bien les gros chiens de base. Je sais pas trop. Je sais pas trop si ça me fait peur ou si j'aime bien. Or, Togo. 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 C'est ton nom, Togo, hein? Togo. Bon, bah, je vais laisser ouvert, hein, parce que de toute façon, on est amoureuse totale de Taran. On est amoureuse, mais on sait pas, en fait. On sait pas si on est amoureuse ou si on a très peur.
Heureusement que le Golden n'en a plus rien à tirer. Ce qui est très étonnant, c'est que Jazz fait partie de ces anomalies de la nature. Regardez ce qu'il y a là. Ça, normalement, plus ça, normalement, on est sur un combo assez prévisible. Alors, est-ce que depuis qu'elle vient, elle l'a jamais vue? Je ne sais pas. Bon, on va dans le grand parc, Tina. T'as rencontré tout le monde, là, je crois, hein. Hop là. Regarde, va éviter la flaque. C'est dingue, quand même. Enfin, ouais, non. Non, pardon. Non, excusez-moi, pardon. Je retire tout ce que j'ai dit. Je me disais, oui, c'est bizarre. Tina, par contre, t'étais pas obligée de faire pareil que Jazz. Bon, Taram est revenu dans la pension. Voilà. Et comme il s'aime pas trop avec Thor... Voilà, ils sont très abrutis. Donc, couche-toi. Taram. Voilà. C'est marrant, on vous entend moins. À faire les cons derrière la barrière, c'est étonnant, hein? Voilà, ça va s'expliquer un peu. Mais ça s'explique un peu plus clairement que derrière une barrière. Alors, vous pouvez vous dire, mère, il est fou. Pourquoi il met deux chiens qui s'engueulent derrière une barrière, ensemble, dans le même parc? Eh ben, tout simplement, pour qu'il s'explique une bonne fois pour toutes. Alors attention, il faut pas faire ça avec tous les chiens. Moi, pourquoi je le fais? Parce que je sais que les deux ont une trouille pas possible d'une chose, c'est le risque de se blesser. Or, quand ils sont derrière une grille, eh ben, il y a absolument zéro risque de se blesser. Donc, ils peuvent faire les kékés derrière une grille, ils s'en foutent complètement. Vu qu'ils n'ont pas de risque de se blesser, ils peuvent s'engueuler comme ils veulent. Sauf que là, quand je les mets ensemble, ah bah bizarrement, alors vous voyez, hein, ça se chauffe un peu, etc., machin. Mais comme la trouille qu'ils ont, c'est de se blesser, bah ils prennent pas le risque de se blesser. Donc ils prennent pas le risque de se battre. Donc ils sont obligés de trouver un autre moyen de communiquer. C'est pour ça que j'empêche notre ami Taram de venir trop vers moi, parce que évidemment que je veux pas qu'il me considère comme un point de compétition. Je veux qu'ils discutent clairement tous les deux. On remarquera bien que Jazz, le Golden au milieu, est très intéressé par ce qu'on dit. Et vous voyez, hein, ça se toise un peu, ça s'engueule un peu. Mais par contre, ça ne se bat pas. Le problème étant que si je ne les mets pas ensemble et qu'ils continuent à s'engueuler derrière une barrière, plus ils vont s'engueuler, plus la pression va monter. Et donc, dans ce cas-là, le moment où ils vont être en présence, bah, il y a plus de risques qu'ils soient un peu excités. Merci beaucoup, en tout cas, Taram, d'illustrer mon propos. Bon, on peut peut-être aller dans le grand parc, maintenant qu'on a discuté autour d'une bière. Belle, viens, ouais, oui. oui, quoi? Venez, Belle, venez voir là. Venez, non, c'est pas dans ce chenil, attends, c'est pas dans ce chenil là que je veux que t'ailles. Viens voir, regarde, on va fermer celui-là. Oui, c'est plus par là. Viens voir. Belle, t'as quelque chose à dire? Non, on est omnubilé par Oslo, apparemment, qui est très content d'être la star du moment. Belle, oui, viens voir. Oula, lui il se dit, oula, faut pas rentrer là-dedans. Ça, si je rentre là-dedans, c'est moi qui me fais engueuler. Non, mais toi aussi, là. Non, mais tout le monde va visiter, là, en fait. Ça va, Togo? Oui, tu prends des notes, un peu? Oh, c'est vrai que je vais peut-être faire ça chez moi. Ça a l'air sympa comme déco. Belle! Non, mais je suis très occupé. Je suis très occupé, là, vous voyez, il y a plein de petites herbes. Et faut que je les sente toutes. Ah, non, mais viens voir. Donc ça, on m'explique? On m'explique, mais rien à cirer. Voilà. Il y a juste Taram qui se dit, bon, moi, si vous voulez, je veux bien aller en intervention. Hein. Non, mais Taram, j'ai pas besoin d'un malinois pour ça, tu vois bien. Le crime est déjà fait et je connais le coupable. Allez, hop, on file. Eh ben, allez, hein, ménage. Super. Polka, c'est pas la peine de, voilà, prenez pas des mesures. Pas grave, hein, je vais le faire, hein. Oui, ben, c'est ça, oui, dépêche-toi. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.